l'entraînement, j'étais très stressée. Déjà parce que je ne savais pas ce qu'on allait faire et puis aussi d'être avec vous, parce que c'est vous êtes impressionnant. Enfin, moi, je trouve, maintenant. Pendant l'entraînement, j'ai trouvé ça difficile, mais bon, j'ai réussi à le faire et je suis plutôt fière de moi. Et après l'entraînement, fatiguée, mais surtout contente d'avoir réussi, d'avoir tenu et que ce soit terminé. Voilà. Et si on recommence demain, pas de problème, à quelle heure et où ? Alors, les filles, pour celles que je n'ai pas rencontrées tout à l'heure, ou avant, ou la semaine dernière, je suis donc Nicolas, votre futur coach sportif. C'est un jour important, d'accord ? On est toujours dans une phase de casting. Un casting, ça veut dire qu'en gros, il va falloir faire ses preuves pour montrer un petit peu ce dont vous êtes capable et voir si vous allez être sélectionné pour la suite. Malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde. Donc, il va vraiment falloir vous donner votre maximum. Je vais vous tester physiquement, voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre. Et je vais aussi vous tester mentalement, d'accord ? Parce que dans une aventure, on va dire, de perte de poids, de santé, de bien-être, ce qui est le plus dur à réaliser, c'est là. Manger une salade, tout le monde peut le faire, d'accord ? C'est bon, voilà, on est content, c'était bon, etc. Faire un cours de sport, tout le monde peut le faire, faire une heure de sport. Maintenant, qui sera capable de faire une heure de sport plusieurs fois dans la journée et avoir des repas sains tous les jours ? Là, ce sera un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, je vais vous tester là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts ? Bah oui ! Ok. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, ce que je vais vous demander, vous voyez ici, on a un beau lac. Ce que je vais vous demander tout simplement, c'est de faire un tour seulement. Un tour entre autres mouvements. J'étais stressée parce que ça faisait comme très longtemps que j'avais pas fait de sport, donc je savais vraiment plus, j'avais pas trop ce que j'allais réussir à donner. Je me souvenais que quand je courais il y a un an et demi, je faisais à peu près 6 km/h, mais voilà, c'était très vague. J'arrivais à tenir la distance, mais forcément, je courais régulièrement donc j'avais un meilleur souffle. Pendant l'entraînement, ça a été plus difficile parce que je me suis rendu compte de l'état dans lequel j'étais. Donc il y a eu quand même une prise de conscience qui était un peu violente. Où là, je me suis... Enfin, quand juste faire le tour du lac, quoi. j'étais bonne dernière. Je savais que je serais dernière. Parce que je sais que quand je cours, les gens peuvent marcher à côté de moi. J'en ai conscience depuis toujours. Mais c'était un peu... C'est une prise de conscience quand même violente, mais au moins qui a le bon côté de me faire dire, Géraldine, là, on peut plus continuer comme ça, faut faire quelque chose. On va finir juste l'échauffement articulaire et après, on va commencer véritablement l'entraînement. Donc main à la taille et tout simplement vous allez me faire des rotations au niveau de la tête. 10 rotations dans un sens et 10 rotations dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 poignées. Voilà, dans tous les sens. Allez, on tourne les hanches. Voilà, pour 10 tours. Pareil, cherchez l'amplitude. Allez, 1, 3, 4. Le montée de genoux. Vers la fin, j'ai senti que j'avais un peu de mal. Bah après, c'était surtout faire le bon geste, en fait. Les fentes aussi, oui, c'était dur. J'avais oublié quoi, à quel point c'était compliqué, dur. Mais non, sinon, voilà, mon mental a un petit peu... je l'ai perdu 2 secondes, mais bon, il a vite repris le dessus. Simplement, on va faire 20 montées de genoux, 20 talons-fesses, 10 jumping jacks, et ça 4 fois consécutives. Ça marche ? N'ayez pas peur. On commence par les montées de genoux. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Montée de genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4.
juste par rapport à le temps, les exercices très rapprochés. Mais c'était stimulant. Enfin, la façon dont t'as organisé les choses, expliqué les choses, c'était stimulant à faire en tout cas. L'exercice va être très très simple. Vous allez partir d'ici, ok, les numéros 1, et vous allez partir pour faire un aller-retour en trottinant, ok. Pendant ce temps, le numéro 2, vous restez en jumping jack, ok, tant que le numéro 1 n'a pas fini son aller-retour. Ça marche? On va faire ça 10 fois pour chacun. Chacun doit faire 10 allers-retours. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Oui. Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti, go. Voilà, super. Et on repart. Le but de l'exercice n'est pas réellement de tester les capacités physiques des différentes filles, mais ça va plutôt être de tester leur volonté. Donc, j'ai décidé de les tenter, d'essayer de les soumettre à la tentation, d'arrêter parce que c'est dur. D'accord ? On va faire un travail qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, les cuisses vont brûler, et voir si, oui ou non, elles vont avoir cette volonté et cette force de se dire « je continue ». Vous avez vu ce qu'on a fait là ? C'était un échauffement. Ok, c'était un échauffement et j'insiste bien là-dessus. Je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. On va toutes travailler en même temps. On va commencer par un premier travail qui s'appelle la chaise. La chaise, tout simplement, c'est simple. Je vais ici m'accouder au niveau du banc, voilà, dans cette position, enlever mes mains et attendre sur cette position. D'accord ? Je suis en position de chaise. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, les quadriceps, c'est-à-dire les muscles ici au niveau de la cuisse, ça va commencer à chauffer. Dès qu'il y en a une qui va craquer, ah, j'en peux plus Nico, c'est pas grave, on va partir en montant sur la pente, okay. On va partir en montant, vous prendrez je ne sais pas combien de temps pour monter, mais ce que je vais vous demander c'est de monter en fente. En fente ça veut dire quoi? Que vous allez monter comme ça, d'accord? Un pas après l'autre, on va monter jusqu'à toucher l'arbre qui est là. Je regarderai si vous vous donnez à fond, c'est ça qui est important. Dès qu'on aura terminé, qu'est-ce qui va se passer? On va refaire à nouveau un travail de gainage, mais cette fois-ci plus au niveau des cuisses, ici, on va faire la planche. Vous voyez ce que c'est la planche? Très simple. Vous allez juste vous mettre dans cette position, face à la porte. Ok? Et tenir la position. Dès qu'une d'entre vous va craquer, ah, Nico, c'est trop dur, c'est pas grave. On repart jusqu'à l'arbre, mais cette fois-ci, on marche de l'autre. Ok? On va jusqu'en haut et on revient en marchant. Combien de tours on va faire? Une idée? Vite. Un par personne? Non. Un truc beaucoup plus simple. On va travailler pendant 20 minutes. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, on ne va pas s'arrêter. Ok? Ne me regardez pas comme ça. Pour que ce soit plus fun, aujourd'hui, je vous ai rapporté quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À manger du Fanta. Oh non. Là-dedans? Moi, je passe mon tour. Il y a des choses, peut-être. Vous tentez certaines. Oh là là. Ok. On a ici des canettes. On a ici des bonbons. On a ici du chocolat. Et ici des gâteaux. Du coca, de l'orangina, tout ce que vous voulez. D'accord? Vous allez vous mettre au travail. Il est possible qu'au bout d'un moment, ça devienne difficile. D'accord? Je laisserai ça à disposition. Ce sera libre à vous de venir vous servir ou non. Si vous avez soif, si vous avez faim, si vous craquez. Libre à vous, je ne vous arrêterai pas. Mais par contre, je garderai ça en tête. Les soumettre à la tentation est une chose importante parce que je ne suis pas en train de les préparer pour un cours, mais je suis en train de les préparer à avoir un meilleur style de vie pour que dans 6 mois à la maison, elles soient capables de continuer. Donc alors au sujet de l'entraînement, au tout début, j'avoue, j'étais très confiante. J'y suis allée, j'irai pas les mains dans les poches, mais je me suis dit, voilà, ça fait un an que je me suis mise au sport. En un mois, j'ai réussi à courir 1 heure, ce qui pour moi était juste impossible. Je savais même pas que j'étais capable de courir dans ma vie. Donc j'y suis allée, je me suis dit, voilà, c'est cool, je fais du sport depuis un mois, ça va être hyper simple. Au tout début, l'entraînement, ça a été. J'ai trouvé ça, assez simple et tout ça. Et puis à partir de la chaise, alors là... Alors là j'ai vrillé, c'est pas du tout les trucs que j'ai l'habitude de faire et j'avais les jambes quand on faisait la chaise là qui tremblaient.
Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, c'est pas aussi facile que je pensais. Et après, ben voilà, je suis pas tombée dans les vapes, mais j'ai eu envie de vomir. Après, je suis contente de ne pas avoir craqué, de ne pas avoir sauté sur un coca, même si c'était très tentant parce qu'en plus, j'avais oublié ma bouteille d'eau. Donc j'avais très soif. Motivée, j'ai eu un petit moment, une petite faiblesse, et puis avec la motivation et en restant concentrée, en fait, c'est reparti. Je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout, et en fait, au fur et à mesure de l'entraînement, l'euphorie, elle était repartie. Donc voilà, c'était. Je t'ai dit, on va jusqu'au bout, on lâche rien. Et en fait, en fin de séance, j'étais presque partie pour continuer et pas m'arrêter, en fait. Donc c'était agréable. Et puis après, un bien-être, hein. Malgré les douleurs un petit peu, en particulier là, derrière le mollet, il y a quand même la satisfaction de ne pas avoir lâché, d'être allé jusqu'au bout. Et les exercices, c'est sûr qu'ils étaient certainement mieux faits au début que vers la fin, mais quand même la satisfaction de ne pas avoir lâché, d'être allé au bout, et puis je dirais presque une petite euphorie, quoi. Voilà, donc du positif, et puis une petite fierté quand même aussi, de ne pas avoir lâché l'affaire. Voilà. Je tenais à vous féliciter. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai vu, c'est que personne ne s'est arrêté. C'est-à-dire des moments où c'était un petit peu difficile, on a eu du malaise, d'accord ? Ça arrive à tout le monde. Mais la chose importante aujourd'hui, c'est que personne ne s'est arrêté. Donc vous pouvez être très très fier de vous et vous pouvez vous applaudir. Ouais, je vous rappelle que moi, l'important aujourd'hui, c'était pas la performance. C'était pas ça. C'était pas ça l'important. D'accord ? Que vous me fassiez le tour du lac en 2 minutes, ou vous me le fassiez en 7 minutes ou quoi, pour moi, c'était pas l'important. D'accord ? Je suis pas en train de former des athlètes de haut niveau. C'est pas ça mon but. Je ne suis pas en train de faire une équipe de France de je ne sais quoi. D'accord ? C'est pas mon but aujourd'hui. Mon but, c'est quoi ? Mon but, c'est de voir des gens qui en veulent. C'est difficile, mais je m'accroche. J'ai mal aux jambes, mais j'essaie de continuer. J'essaie de continuer. Je suis fatigué, j'ai plus de cardio, j'ai plus de cœur, mais j'essaie de ne pas m'arrêter. D'accord ? Et ça, pour moi, c'était le plus important. Maintenant, la suite, hein, on va délibérer, parce que malheureusement, on ne pourra pas garder tout le monde, comme je vous ai dit. Mais vous pouvez être très, très fier de vous. Vous avez bien, bien, bien bossé. Ok ? Merci beaucoup. Bravo les filles, super, vous pouvez vous applaudir. Je les ai aussi tentés au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire que j'ai sorti des brownies, des sodas, toutes sortes de choses, des friandises, pour voir si pendant l'effort, les filles allaient, oui ou non, me dire « Stop, j'arrête, c'est trop difficile, j'ai besoin de sucre, etc. » Mais aucune ne l'a fait, donc le choix va être très difficile.